Alors, bonjour tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est un petit peu. Comment on pourrait appeler ça? Genre. Juste les améliorations, ce qui a changé sur le serveur par rapport à la présentation de serveur que j'ai fait. Que je mettrai en barre d'infos. Donc, là, c'est pas du tout une présentation du serveur. En fait, c'est juste. Je vous dis ce qui a changé par rapport au serveur. Donc déjà, je pense que vous avez remarqué que le spawn n'est plus pareil. Donc on a refait le spawn. Et je voulais juste m'excuser juste pour ces trucs-là. En fait, c'est les item frames. Et vu que les shaders sont 1.8 avec Forge, ça bug. Et ben je suis extrêmement désolée. Mais bon, ça va, c'est pas non plus. Voilà. Donc voilà, donc on se retrouve là. Donc on a plusieurs portails avec tous les mondes qu'il y a. Donc là, vous voyez qu'il y a le PVP faction. Donc voilà. Il y a le monde event là-bas. Et il y a le monde créatif ici. Donc voilà, on a bien décoré. Donc vous pouvez voir le changement. Du coup, ce spawn-là, il bug moins pour ceux qui ont un petit PC, on va dire. Donc du coup, c'est assez pas mal. Du coup, vous voyez un peu la décoration. C'est un peu partout pareil. Comme vous pouvez le voir, fontaine, petit passage secret ici. Là, on se retrouve pareil, donc c'est symétrique, donc il n'y a pas besoin de devoir faire le tour pour explorer. Du coup, on va tout de suite. On se retrouve sur le PVP faction, donc à tout de suite. Alors, re tout le monde, donc on se retrouve sur le monde de PVP faction. Donc, vous pouvez aussi voir que le spawn a changé. Donc en fait c'est un spawn bien à part, donc ça veut dire qu'il faudra pas sortir, on va se faire directement tuer. Comme par exemple là vous voyez il y a des panneaux, il y a des portails, donc vers salle des portails, donc tout droit. Hop. Et du coup vous arrivez là. Donc on a un portail qui va vers l'end. Donc l'end est remis à zéro tous les mois pour pouvoir tuer l'Ender Dragon. Et sauf qu'on ne sait pas la date, c'est le fondateur qui choisit la date et qui ne le dit à personne. Donc là, on a les quatre portails de chaque côté, donc là, vers les tours safe zone, donc ouest, est, et là-bas, nord et sud, il me semble. Normalement, hein, si je suis pas conne. Nord-sud, ok. Et là-bas, on a rajouté aussi, c'est une petite modif, c'est le monde ressources. Donc là, c'est vous pouvez faire n'importe quoi. Par contre, il y a le PVP. Et donc, il faut faire un petit peu gaffe. Et c'est pareil, il sera remis à zéro tous les mois. Donc voilà. Donc là, on retourne au milieu. Pour que je vous montre les autres côtés. Donc là, pour le moment, il n'y a rien. Et là, il y a la zone shop. Donc là, hop, on arrive là. Et c'est la zone shop qui est bug. Merci beaucoup. Donc là, vous avez toutes les indications pour pouvoir comment dire, vendre des objets. Donc là, voilà, pour acheter, pour vendre, etc. Et là, il y a des comment vous dire, il y a des catégories qu'on va sûrement. Voilà, c'est en fait c'est sur le quand vous êtes en créatif, vous avez les comment dire les catégories et c'est à partir de ça qu'on l'a fait. Donc là, vous avez bloc décoratif. Il n'y a plus rien comme vous voyez. Ah, quoique. Pourquoi ça le met pas? Bon. C'est pas grave. Alors là, on a les blocs de construction. Là, c'est pareil. On voit pas alors que normalement on devrait voir. Attendez. Ok. Je ne sais pas pourquoi on ne voit pas. C'est pas grave. Normalement, comment dire, les items flottent. Voilà. Alors, on a les divers. Donc voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà plein de shops. Donc normalement, ça met votre nom et ça met au-dessus l'item. Donc voilà, c'est jusqu'au bout. Je sais pas si ça va charger assez. Oui, bonjour, au revoir. Ok, d'accord. On va dire que. Voilà. Donc, c'est tout au fond.
Donc, comme vous voyez sur la carte, vous voyez en haut, c'est jusqu'au fond, donc c'est la même chose pour tous, et puis voilà. Du coup, on va sortir d'ici. Hop. Et on va aller juste devant, donc vers la banque. Donc, la banque, elle va vous servir à pouvoir stocker des choses. Donc, vous avez un coffre. Donc là, vous avez, voilà, la salle. Hop. Et là, vous avez les PNJ. Donc, vous appuyez dessus et vous voyez tous les trucs. Voilà. Donc, chacun a une banque. Donc, en fait, tous les où il y a marqué banque, eh ben, ça va être la même chose. Regardez, je vais aller là. C'est la même chose. Banquier. Hop. Je vais aller de l'autre côté. Ça va être la même chose. Hop. Sauf que il y a des grades sur le serveur. Donc, il y a le grade VIP. Et le VIP, il peut avoir ce banquier-là. De chaque côté, bon, ok, vous voyez, manquer Buffy VIP sur les deux côtés. Donc bah, là, j'ai rien mis. Mais voilà. C'est ici. Aussi. Hop. Et celui au milieu, à votre avis, il va servir à quoi? Eh ben, à nous donner l'argent. À nous donner notre salaire. Parce que tous les demi-heures, vous gagnez de l'argent si vous restez sur le serveur. Et vous devez aller le chercher à la banque. Donc, et après, vous pouvez voir slash monnaie. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, après, vous avez quatre autres côtés. Donc, là-bas. Là-bas. Oups. Là-bas. Et là-bas. Donc, on va commencer là-bas. On descend. Vous pouvez descendre. Il y a les escaliers. Et là, vous avez plusieurs panneaux. Donc, vers les panneaux d'info, vers la cabane du pêcheur. Donc, pour le moment, on va aller là-bas, vers les panneaux d'information. Hop. Donc, là, vous pouvez voir des têtes. Donc, là, map créée par Mustang 81 avec l'aide de Hirox, Lélé, Super Mimi et Faune Sommet. Donc, là, vous voyez les têtes de chaque côté. Hop. Et là, Mustang, voilà. Donc là, on peut aller voir le site, voilà. Et on peut aller voir ça. Donc là, vous avez toutes les informations pour utiliser le plugin du coup PVP Faction pour pouvoir bien jouer. Vous avez toutes les commandes. Et là, vous avez toutes les informations. Donc c'est quoi le PVP Faction, comment il faut commencer et où mettre votre faction. Voilà. Donc là, c'est bon. Après, si on va par là-bas. Là, vous voyez les trucs vers le spawner à viande. Donc là, vous avez le spawner à viande. Donc en fait, voilà, il fait des piggies. Voilà. Et vous pouvez les tuer quand vous commencez. Comme ça, vous avez de la bouffe. Dans les quatre coins aussi, il y a des tables d'enchant. Donc là. Et il y a aussi un peu partout des tables de craft, des under chests, comme vous voyez par exemple là. Etc. Donc là, il y a vers la prison. Donc en fait, si vous faites des conneries entre guillemets, vous pouvez être sanctionné, vous pouvez être dans cette prison-là. Donc comme vous voyez, vous avez plein de trucs pour vous occuper en attendant que vous êtes en prison. Et donc voilà. Donc les gens peuvent vous rendre visite en faisant coucou et en faisant bonjour. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? Attendez, ça lag un petit peu, je crois. Ok. Donc voilà, donc ça c'était la prison. Il y a aussi derrière la prison, il y a des zones de travail. Donc si jamais vous n'avez pas de faction ou vous voulez pas encore faire de faction, eh bien il y a des zones de travail. Donc ça représente ça. Et en fait, quand vous allez rentrer, la lumière va s'éclairer et la porte va se fermer et personne ne peut rentrer. Voilà, regardez. Vous êtes en prison. Et là, vous avez plusieurs trucs. Vous avez des coffres, vous avez des under chests, vous avez des alambics, des tables de craft et des fours. Donc voilà. Si vous avez besoin de cuire des choses ou quoi, si vous avez miné, etc. Et ben, vous pouvez utiliser ces zones de travail. Et enfin, le dernier truc. Bon, là, vous voyez, vers la cabane du pêcheur. Donc là, c'est une petite mare où vous pouvez, pêcher, pardon. Là, vous pouvez en acheter une. Vous pouvez acheter une canne à pêche. Et là, vous pouvez vendre vos poissons. Donc là, vous voyez en bas. Là, c'est pour vendre.
Et là, c'est pour acheter. Donc voilà. Donc ça, c'était le PVP faction. Donc maintenant, on va se retrouver. Bah, pas sur le créatif, parce que le créatif n'a rien de spécial. Je vous le dis clairement. C'est toujours le même. Il n'y a pas de nouveau de spawn, il n'y a pas de nouveau truc. Mais par contre, le monde event, je vais vous faire voir quelques trucs. À tout à l'heure. Alors, les gens, donc on se retrouve sur le monde event. Donc vous voyez qu'il n'a pas réellement changé. Voilà, c'est toujours le même. Voilà. Il y a le podium, comme vous voyez. Donc je dis coucou à Raker, Jeff et Mustang. Voilà. Du coup, il y a toujours les mêmes choses, sauf que on a rajouté des petits trucs. Donc, par exemple, ça, vous allez me dire, mais il y avait une carte avant, non? Il n'y avait pas une carte avant? Eh ben si, sauf qu'on l'a changé, on a fait un portail spectateur. Donc, en fait, le but du portail spectateur, c'est que vous pourrez regarder les events en cours. Donc, pour le moment, il est en test, et pour le moment, comment vous dire que... Il est juste sur le vert et l'antoise, donc comme event. Pour le moment, le temps que on regarde si il va bien et tout, s'il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et ainsi, il y a une des nouveautés. Donc il y a eu des autres events. Alors, en fait, comme vous pouvez le savoir déjà, il y avait le vert. Le Antoirs. Il y avait quoi d'autre? Je sais même plus. Vert Antoirs. Bah le Rush. Et c'est tout, je crois. Et en fait, il y a d'autres events. Donc, là, il y a toujours le Antoirs qui est resté. La bataille royale, elle est restée. Ouais, il y avait la bataille royale aussi. Un nouveau event qui est arrivé, c'est le capture de drapeau. Donc voilà. Le cluster chunk aussi, mais il me semble qu'il ne peut pas être fait car il y a un petit bug, il me semble, je ne sais plus. Le rush, il est resté toujours. Le spliff a été rajouté. Le survivor aussi. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo d'avant, mais vous pourrez aller la voir. Et le vert, c'est la même chose, il est toujours resté. Donc voilà, des nouveaux petits events bien sympas, je pense, qui pourront faire plaisir à plus d'un. En sachant que j'avais fait une vidéo sur le Battle Royale et le Survivor. Et je pense faire d'autres vidéos sur, par exemple, le capture de laine quand on sera plus nombreux. Enfin, spliff. Après, le vert, c'est un peu chaud parce que... Ouais, je sais pas. On verra pour le vert. Rush. Bah après le rush, je l'ai pas trop fait parce qu'en fait c'est un peu la map de base. Donc du coup, vous savez à peu près, je pense la plupart des gens savent à peu près ce que c'est. Il y en a plein sur YouTube de vidéos. Donc voilà, donc c'est un peu la même chose. Et puis on verra sur d'autres notre event. Donc n'hésitez pas à commenter ma vidéo pour dire lequel event vous voulez voir, etc. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et d'ici là prenez soin de vous et j'espère vous revoir sur le serveur. Bye bye!